Bonjour, bienvenue à l'épreuve de dictée des Olympiades de français en Asie centrale. Je vais lire le texte trois fois. Une première fois en entier, à vitesse normale. Écoutez simplement, sans écrire. Puis je lirai une deuxième fois lentement, avec la ponctuation. Vous devrez alors écrire le texte. Écrivez les accents et autres symboles spéciaux avec le clavier à l'écran. Enfin, je lirai la dictée une troisième fois en entier à vitesse normale. Vous aurez ensuite 3 minutes pour vous relire. Première lecture. Le français est une langue internationale parlée par des centaines de millions de personnes dans des pays très divers, sur tous les continents ou presque. Son aire de diffusion est si étendue que certains mots acquièrent même des sens différents au fur et à mesure qu'ils se répandent. Cet enrichissement sémantique se fait parfois au détriment des voyageurs qui les emploient innocemment. Cela donne lieu à de drôles de malentendus. C'est ainsi qu'un Belge qui franchit la porte d'une boulangerie en exigeant de bonne foi un pistolet n'a nulle velléité de braquage. Il veut juste un pain oblong pour son casse-croûte ou son 4 heures. De même, des Québécois, en train de sillonner l'Hexagone à bord d'un express, seront bien en peine de trouver le bac de recyclage de déchets alimentaires au moment où le contrôleur leur demandera de composter leurs billets sur le champ. Enfin, quoique la nana d'un roman vous annonce qu'elle attend de la famille, elle ne guette pas l'irruption imminente de ses cousins issus de Germain, mais elle a un polichinelle dans le tiroir. Deuxième lecture, vous pouvez écrire. Le français. Le français. Le français est une langue internationale. Est une langue internationale. Est une langue internationale. Parlée par des centaines de millions de personnes. Des centaines de millions de personnes. Des centaines de millions de personnes. Dans des pays très divers. Dans des pays très divers. Dans des pays très divers. Virgule. Sur tous les continents. Sur tous les continents. Sur tous les continents. Ou presque. Point. Ou presque. Point. Ou presque. Point. Son aire de diffusion. Son aire de diffusion. Son aire de diffusion est si étendue, est si étendue que certains mots, que certains mots. Que certains mots acquièrent même
acquièrent même des sens différents. Des sens différents. Des sens différents. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Qu'ils se répandent. Point. Qu'ils se répandent. Point. Qu'ils se répandent. Point. Cet enrichissement sémantique. Cet enrichissement sémantique cet enrichissement sémantique se fait parfois se fait parfois se fait parfois au détriment des voyageurs. Au détriment des voyageurs. Au détriment des voyageurs. Qui les emploie? Qui les emploie? Qui les emploie innocemment? Point. Innocemment. Point. Innocemment. Point. Cela donne lieu. Cela donne lieu. Cela donne lieu. À de drôles de malentendus. Point d'exclamation. À de drôles de malentendus. Point d'exclamation. À de drôles de malentendus. Point d'exclamation. C'est ainsi qu'un Belge. C'est ainsi qu'un Belge. C'est ainsi qu'un Belge qui franchit la porte d'une boulangerie. Qui franchit la porte d'une boulangerie. Qui
franchi la porte d'une boulangerie en exigeant de bonne foi en exigeant de bonne foi un pistolet un pistolet n'a nulle velléité de braquage. De braquage. Il veut juste Il veut juste un pain oblong un pain oblong un pain oblong pour son casse-croûte pour son casse-croûte où sont quatre heures point où sont quatre heures point De même, virgule, des Québécois, virgule, des Québécois, virgule, en train de sillonner l'Hexagone, à bord d'un express,
virgule, seront bien en peine de trouver, seront bien en peine de trouver, seront bien en peine de trouver le bac de recyclage de déchets alimentaires. Le bac de recyclage de déchets alimentaires. Le bac de recyclage de déchets alimentaires. Au moment où le contrôleur, au moment où le contrôleur au moment où le contrôleur leur demandera de composter, leur demandera de composter, leur demandera de composter. Leur billet sur le champ. Point. Leur billet sur le champ. Point. Leur billet sur le champ. Point. Enfin, virgule. Enfin, virgule. Enfin, virgule. Quoique la nana d'un roman. Quoique la nana d'un roman. Quoique la nana d'un roman vous annonce qu'elle attend de la famille, virgule, vous annonce qu'elle attend de la famille, virgule, vous annonce qu'elle attend de la famille, virgule. Elle ne guette pas. Elle ne guette pas. Elle ne guette pas. L'irruption imminente. L'irruption imminente. L'irruption imminente. De ses cousins issus de Germain, virgule. De ses cousins issus de Germain, virgule. De ses cousins issus de Germain.
virgule, mais elle a un polichinelle dans le tiroir, point. Mais elle a un polichinelle dans le tiroir. Point. Mais elle a un polichinelle dans le tiroir. Point. Fin de la dictée. Troisième lecture. Le français est une langue internationale parlée par des centaines de millions de personnes dans des pays très divers, sur tous les continents ou presque. Son aire de diffusion est si étendue que certains mots acquièrent même des sens différents au fur et à mesure qu'ils se répandent. Cet enrichissement sémantique se fait parfois au détriment des voyageurs qui les emploient innocemment. Cela donne lieu à de drôles de malentendus. C'est ainsi qu'un Belge, qui franchit la porte d'une boulangerie en exigeant de bonne foi un pistolet, n'a nulle velléité de braquage. Il veut juste un pain oblong pour son casse-croûte ou son 4 heures. De même, des Québécois, en train de sillonner l'Hexagone à bord d'un express, seront bien en peine de trouver le bac de recyclage de déchets alimentaires au moment où le contrôleur leur demandera de composter leurs billets sur le champ. Enfin, quoique la nana d'un roman vous annonce qu'elle attend de la famille, elle ne guette pas l'irruption imminente de ses cousins issus de Germain, mais elle a un polichinelle dans le tiroir. Fin de la dictée. Vous avez maintenant 3 minutes pour vous relire. Deux minutes, il vous reste 2 minutes.
Une minute. Il vous reste une minute. Voilà, le temps de relecture est écoulé. Vous pouvez maintenant valider votre dictée. Merci d'appuyer sur le bouton à l'écran Valider votre dictée. Allez-y, la validation est ouverte. Je répète, validez votre dictée maintenant. Quelques secondes encore. Vous avez validé.